Mais je veux bien, mes frères. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? Oh, le coup de pression sur ton téléphone, hein. Ça y est, de retour à Paris, dans le sens où bah, tout le monde est rentré. Et c'est le bordel. Non. Le mec, il brûle le truc, il est avec son gosse sur la trottinette. Et il ouvre sa gueule. On en est à ce niveau-là, hein, les gars, quand même. Genre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est devenu, mais... si tu fais de la merde, mec, ferme ta gueule au moins, hein, genre... N'aie pas les couilles de l'ouvrir. C'est nul. Avec ton gosse, en plus. Tu lui montres le bon exemple. Non, il y a un rouge, là, où c'est... Oui, il y avait un rouge, là. Mais... Ah, il m'a rentré dedans, le mec. Ça a l'air d'aller. Ça va. Il a touché mon pneu, le gars. Ok. Je pense qu'il a pas vu le rouge comme moi. Et comme je vais un peu freiner un peu fort, il s'est demandé peut-être pourquoi je freinais. Après, il a fait « Ah merde, il y a un feu ». Si j'avais pas été en train de freiner, soit avec mon frein arrière, soit avec mon frein avant, en fait, je serais parti en avant, là. Et juste un petit choc comme ça, peut-être il devait aller à 5 ou 6 km/h, le gars. Hein. Il devait pas aller très très rapidement. Hein. Je vous dis pas que là, je viens d'avoir un accident de fou. Hein. Je vais pas vous le mettre comme ça. Hein. Je vais pas vous mettre en gros titre. J'ai vécu le plus gros accident de ma vie. Si j'avais pas voilà, appuyé sur le frein, il m'aurait poussé sûrement et que je serais parti peut-être en arrière. Ça m'aurait peut-être déséquilibré la moto. J'aurais pu tomber. Voilà, tout simplement. C'est un miracle que t'aies survécu aussi longtemps, toi. Accroche, hein. Oh oh, waouh, je me suis pas fait arrêter. Je me suis pas fait arrêter, je suis trop chanceux, putain. There is a tunnel, you go downstairs and you can go there. Oh putain, il a failli se péter la gueule lui en allant à 3 à l'heure. Il est en train de vider son pétard là, tranquille, place le cliché. Tout va bien. Oh là là, mais vas-y, n'importe quoi toi. Ah, tout ça pour s'arrêter au rouge juste là. Y'en a qui me butent. Ah, elle ouvre sa gueule alors qu'elle brûle le feu rouge, elle. Trop fort. La petite popo qui brûle le feu rouge. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah oui, d'accord. Ouais, mais normalement là t'es censé avoir tes gyrophares. Je crois que dans la loi, normalement un véhicule sans gyrophare, en voiture de police ou quoi que ce soit des pompiers, que ce soit les ambulances, s'il n'y a pas de sirène, normalement ils doivent être considérés comme des véhicules normaux et non prioritaires. Faudrait que je vérifie ça. Ah, c'est des touristes, ils s'arrêtent au feu rouge. Ça doit être des Suédois, ça. Ou des... Ah non, Hollandais. Bah, Holland Bike, ouais, voilà. Voilà. Hein ? S'en est même pas rendu compte. Oh putain !
mec qui met son clignotant au dernier moment quoi. Ah ouais, faut être devant à Paris quoi. Ce qui est assez marrant à voir quand même, c'est que la communauté trottinette comme ça, il y a un côté communauté motard quoi. Ils sont là, ils sortent ensemble, ils s'amusent, ils discutent, ils doivent tuner leur trottinette, ils doivent s'amuser ensemble, partager des moments, donc il y a un côté un peu motard. Il y a un côté... Ouais, j'aime bien, je trouve ça cool. Eh, ah ouais, ah ouais, ah oui, ok, les feux rouges, ça connaît pas quoi. Ça n'existe pas le feu rouge. D'accord. Il avait juste à attendre entre le mec qui va à plus de 130 et après le mec qui coupe les feux rouges, d'accord, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal après tout. Wow. Passage de vitesse là. Oh, ça le bat. Putain, en merde là. Je suis klaxonné en plus. Voilà, s'il m'avait pas entendu. No! No!